La revue de presse vous est présentée par la pharmacie Uniprix de Gaspé et de Rivière-au-Renard. $5 millions d'Ottawa pour lancer la marche de l'électrification de la régime. Selon ma Gaspésie, Ottawa a octroyé $5.5 millions pour l'électrification de la flotte de la régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et pour une étude de faisabilité sur le transport en commun régional. Cet investissement financier aidera à l'acquisition de 21 autobus électriques et à l'installation de 38 stations de recharge. Malgré ces avancées, des défis d'approvisionnement en bus et des ajustements réglementaires avec le ministère des Transports du Québec demeurent. La régime envisage de continuer à promouvoir le transport collectif rural tout en réduisant son empreinte environnementale, selon Daniel Côté, président de la régime. CPE, la belle journée des moyens de pression, selon Bleu FM. Les membres du syndicat des travailleuses et travailleurs du CPE, la belle journée, CSN, ont unanimement voté pour des moyens de pression, à l'exception de la grève, pour soutenir leur comité de négociation dans les discussions pour une première convention collective. Les points de discorde incluent le maintien de la 6e semaine de vacances, les 10 jours de congé de maladie par an et le respect de l'ancienneté acquise avant la syndicalisation. L'employeur conteste ces conditions, proposant des réductions significatives et ne reconnaissant pas l'ancienneté pour certains types d'absence. En contradiction avec ses politiques internes, le CPE La Belle Journée opère 2 installations à Chandler et Grande-Rivière employant 38 salariés. Fous de Bassan, moins de mortalité due à la grippe aviaire, selon Radio Gaspésie. Les fous de Bassan des îles de la Madeleine et de l'île Bonaventure semblent montrer une résistance accrue à la grippe aviaire. Après une forte mortalité enregistrée il y a 2 ans, où le taux avait atteint 58% au Rocher aux Oiseaux et 13% à l'île Bonaventure, une baisse significative de la mortalité est observée. Selon Jean-François Reil, biologiste spécialisé en oiseaux migrateurs, cette amélioration pourrait être due à une résistance développée par les oiseaux ou à une diminution de la pathogénicité des virus. Rémi Plourde, directeur de l'île Bonaventure, confirme également une baisse de la mortalité en 2023 et une population abondante cette année, soutenant que l'île Bonaventure abrite l'une des plus importantes colonies des fous de Bassan au monde. “82% des bâtiments du cégep de la Gaspésie et des îles sont en bon état selon ma Gaspésie. Le cégep de la Gaspésie et des îles affiche une bonne santé infrastructurelle avec 82% de ses bâtiments en bon état selon le plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructure. Sur 23 portions de bâtiments, 19 sont classés en bon état. Cependant, les résidences du campus de Gaspé actuellement en rénovation ont reçu la cote E et sont en cours d'amélioration dans le cadre d'un projet quinquennal de $17 millions bénéficiant de subventions significatives du ministère de l'Enseignement supérieur. Un pavillon sur le campus des îles non rénové depuis 2018 est classé D. La porte-parole du cégep, Sarah Gontier, souligne un investissement de $1.8 millions pour 2023-2024 pour maintenir et améliorer les installations suivant un plan décennal pour éviter les dégradations futures et fournir un environnement optimal pour les personnels et les étudiants. Essence, les prix les plus élevés sur 10 ans à Gaspé selon un nouveau rapport selon ma Gaspésie. Le prix du litre d'essence en Gaspésie a été le plus élevé au Québec pendant la dernière décennie. Selon une étude commandée par le ministère de l'Énergie Pierre Fitzgibbon et menée par Robert Clark de l'Université Queen's, cette région, avec des marges bénéficiaires des détaillants les plus hautes de la province, a vu sa marge moyenne passer de 9 cents en 2021 à 15,2 cents en 2023. Robert Clark suggère que le manque de concurrence et la lenteur à répercuter les diminutions de coûts sont des facteurs clés. Cette situation est exacerbée par le petit nombre de stations-service augmentant les marges plus que dans d'autres régions du Québec. L'eau se réchauffe toujours dans le Saint-Laurent selon Radio Gaspésie. En 2023, l'Institut Maurice Lamontagne a révélé des changements préoccupants dans les eaux du golfe de l'estuaire du Saint-Laurent, un réchauffement continu, une augmentation de l'acidité et une baisse de l'oxygène. Les températures de surface ont été les plus chaudes depuis 1981, durant le mois de juillet et d'octobre, et la couverture de glace n'a atteint que la 6e plus faible étendue depuis 1969. L'oxygène sous 300 mètres a diminué de 70% en 50 ans, et les zones d'hypoxie ont doublé depuis 2015. L'acidité des eaux profondes a aussi augmenté de 60% en 15 ans, affectant la reproduction du plancton et menaçant la chaîne alimentaire marine. «
30, puits pétroliers problématiques en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine selon ma Gaspésie. Le Québec a identifié 30 puits de pétrole problématiques en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine selon un relevé de ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie au 31 mars. En réponse à un avis d'intérêt publié sur son site d'appel d'offres, le gouvernement cherche à attirer des entreprises capables de mener des travaux correctifs et de fermeture définitive de ces puits. Ces mesures visent à prévenir les risques environnementaux et pour la sécurité publique avec des interventions temporaires comme l'installation de boudins absorbants et de clôtures. Ceci fait suite à une loi adoptée il y a 2 ans interdisant l'exploitation et l'exploration des hydrocarbures avec 33 millions de dollars réservés pour la réhabilitation des 62 puits. La revue de presse vous est présentée par la pharmacie Uniprix de Gaspé et de Rivière-au-Renard.